bord de Rivière Pilote. Bon alors, on va essayer, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me conseille de venir ici. Et j'ai vu qu'il y a au moins deux youtubeurs qui ont fait des vidéos ici, qui ont pris pas mal de poissons, donc il n'y a aucune raison que moi j'essaye pas. D'ailleurs, je vois que ça saute là-bas. Enfin, ça saute pas, mais ça chasse. À peine arrivé, on voit des poissons qui dépassent. Ah ouais, ça va pas être mal. Alors, il a énormément plu ces derniers jours, là. Donc l'eau, elle est vraiment pourrie, là, comme on peut voir. J'espère que ça va pas trop influencer sur les poissons, mais bon, on va tenter le coup. On va bien voir. Du coup, Rivière Pilote, ce qui est bien, c'est que bah, on a une rivière, là, qui monte, qui va dans les terres. Et de l'autre côté, on a une digue qui protège le petit port qui est un peu bah, tout le long et un peu plus en montant, là. Et derrière, on a bah, la mer, hein. Du coup, je pense que je vais commencer à pêcher ici. Et ensuite, j'irai peut-être sur la... Bah, on voit le bout de la digue, là. Sur la digue, pour essayer côté mer. Parce que là, l'eau, elle est quand même très, très sale. Je suis pas sûr que les poissons, ils aiment ça. Bon, bah, c'est parti, hein. J'ai pris une petite canne 10-40. Bon, il y a déjà un leurre dessus, parce que j'ai pas eu le temps de l'enlever. L'autre jour, j'ai fait une grosse session de pêche et j'ai rien filmé. J'ai pris pas mal de poissons, mérous, j'ai même pris une carpe, enfin un poisson perroquet comme on dit plus internationalement, ce qui est assez rare au leurre comme ça. Du coup voilà, bon, on va essayer de faire quelque chose, mais l'eau est vraiment pourrie. Hein. J'espère que ça va quand même marcher. Donc là, du coup, canne en 10-40. Et si jamais je vois que je suis un peu fin, j'ai dans la voiture une canne un peu plus puissante. Si je dois lancer un peu plus lourd, et si je vois que les poissons ils sont un peu trop vénères, dans la voiture j'ai une 20-60 avec un moulinet qui va bien. Donc là, petit moulinet en bobine de 3000 et canne 10-40. Petit 13 en 0,16 que j'ai mis mal d'ailleurs. 13 en 0,16 et fluoro en 0,35 il me semble de mémoire. Voilà. Alors je sais pas par quoi on va commencer, peut-être un peu petit. J'ai bien envie d'essayer. Il faudrait presque prendre un artiste comme ça, un tout petit artiste pour débuter. On va peut-être essayer ça là avec la spatule tournante à l'arrière là. Ça peut être pas mal ici je pense. Pas trop gros. Bon après l'hameçon il est un peu petit. Mais on va tester ce montage. Voilà. Petit leurre dur à palette. L'eau est vraiment sale. Hein. Il y a beaucoup de débris qui sont charriés par la rivière là. Mais bon, il y a quand même pas mal de poissons qui sautent donc, et qui chassent. Donc je désespère pas. Bon, ils vont pas avoir grand chose, mais c'est de l'eau saumâtre là. Voire complètement. Complètement salée. Complètement douce, je veux dire. Pour des raisons de GoPro qui a décidé de filmer en timelapse l'une des plus grosses prises de la session, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Ah, poisson! Ah! Ah! Ouh, plouf, 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 plouf. Oh, mais il est gros celui-là. Ça tire, hein. Je sais pas comment je vais pouvoir le remonter ici sur ce quai. J'aurais dû prendre mon épuisette. Je vais passer là-bas pour essayer d'aller à la mise à l'eau. Comment faire? Je vais passer sur ce bateau. Oui, allez hop. Viens là, mon petit. Non, pas dans les rochers. Allez, voilà, comme ça. Hop. Allez, viens ici. Oh là là, ce qu'il est lourd. Ah, me voilà à la mise à l'eau. Waouh, quel magnifique tarpon. Ça, c'est un beau poisson.
Superbe. Très belle prise, ça. Allez, on remet ça à l'eau. Vas-y, au revoir. Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Bon, j'ai sorti la canne un peu plus grosse parce que... Premier poisson en 2 minutes de pêche, un tarpon. C'est pas idéal pour la petite canne. D'ailleurs, ça m'a cassé le fil quand j'ai voulu décrocher le poisson. Du coup, là, je suis beaucoup plus gros. Je suis en 20-60. Et la tresse, c'est du 0,18 avec du 0,50 en fluoro. Donc là, on est un peu plus solide déjà si on prend du tarpon. Je peux assumer un peu plus. Et mouliner en bobine de 4000. Allez, on va essayer ça. Je vais mettre un petit leurre dur qui penche pas trop, qui est de la couleur de la vase là. D'ailleurs, j'ai pas besoin de lancer très loin ici, c'est l'avantage. Contrairement au littoral, le frein j'en mets un peu, même si j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Et c'est parti. Tac. Ah ouais, mais ça saute de partout ici, quoi, c'est fou. Hein. Regarde ça là, il y en a partout des poissons. Je suis sûr que je lance là, j'en chope pas. Ah ouais, le tarpon qui pite. Tarpon partout là. C'est le paradis du tarpon. Si vous voulez vous amuser à prendre des petits tarpons, ici c'est quand même sacrément idéal. Alors après, c'est peut-être parce que l'eau elle est dégueulasse. Mais il y en a partout là. Ouais, on voit les dorsales des tarpons là. Il va y avoir que ça. C'est con parce que je pense qu'il y a plein de poissons différents d'habitude, mais aujourd'hui ça va être tarpon vu la couleur de l'eau. Ou alors faut que j'aille de l'autre côté là où c'est clair, mais là-bas il n'y a que du tarpon qui saute là. Ouais, il est juste là quoi. Sérieux les gars? À mes pieds les tarpons là. Je suis sûr, il y a moyen de les prendre sans lancer là. Il est là le tarpon. Je le vois parce qu'il y a des petits poissons qui sont en panique. Si je fais ça, on va voir. Celui-là, il nage pas assez à mon goût. Je vais prendre l'artiste, je crois. L'artiste marron et orange, il va être vachement mieux. Ah bah non. Sérieux quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Les tarpons. Bon, j'ai changé de leurre, j'ai mis le petit artiste FR80 marron, orange, bronzé. Et je pense que vu la gueule des poissons, il faut que je repère un endroit pour les sortir si jamais je suis en galère. Du style là, c'est bien ça. Je pense que là c'est mieux. Donc là, c'est parti. Je pense qu'avec lui ça va faire un massacre. Mais je les vois les poissons, j'ai même pas besoin de les chercher, ils sont là. On les voit là, ils sont juste là. Je sais pas si on les voit dans la vidéo, mais là je lance là, j'en chope un, je suis sûr. C'est n'importe quoi. Ouais, il y a des trucs partout là, c'est incroyable. Ce spot, c'est vraiment incroyable pour pêcher, pour s'amuser. Hein. Ah bon, après le tarpon, petit tarpon comme ça. Allez, j'en ai un. Oui, tarpon. Encore un tarpon. Bon, ils sont pas énormes, mais... Regardez ça, quoi. C'est fou, tu lances la canne, tu lances un leurre et t'as un tarpon. C'est incroyable ici, hein. Allez, fatigue-toi, si tu veux. Bon, ils sont pas gros, mais ils sont suffisamment pour s'amuser, quoi. Ah ouais, si, ils sont très très bien, même. C'est top. Ah, mais c'est pas un tarpon, ça, hein. C'est un brochet, je crois. Je dis tarpon, mais je crois que c'est un brochet. Ah ouais, c'est un snook. Parce que le tarpon, il aurait sauté déjà. Ah ouais, mais il est combatif. Ah ouais, ouais, c'est un magnifique brochet. Très beau snook. Ah ouais, superbe. Je vais le ramener au bord. Ah non, mais va pas là-dessous, s'il te plaît. Voilà. C'est bon ça, c'est très très bien ça. Ce spot est incroyable pour pêcher. C'est clairement le meilleur quoi.
Allez, brochet, snook. Et voilà, superbe. Ah ouais, un beau beau brochet quoi. Incroyable. Et voilà, magnifique brochet de mer. Le fameux snook. Superbe. Lui il fait facile 50 voire plus. Hein. Je vais le mesurer après. Je vais le refoutre dans l'eau avant qu'il souffre trop. Ça c'est du snook. Hein. C'est parti. Et voilà, disparu. Suivant. Allez, on continue. Il y a des poissons partout. Hop. Ah non, mais il y en a partout, quoi, c'est du délire. Et hop, un petit lancer là, un proche ponton. Ah là-bas, il y a des chasses. Ouais, des grosses chasses même. Oh la vache, c'est quoi ce spot de fou, quoi. Bon, bah, je comprends mieux les conseils, hein. Clairement meilleur spot de Martinique pour l'instant. J'ai pêché 10 minutes, j'ai pêché de poissons énormes. Sans parler des touches que j'ai pas eues. Et il y a des chasses en permanence quoi. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant ici. Allez, poisson. Encore un poisson, ça n'arrête pas quoi, c'est incroyable. Alors là, c'est un plus petit, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on a de beau. Ah, c'est tout petit. C'est un... Ah putain, c'est un mini barracuda. Ah oui, bah dis donc, il y a même des bébés barracuda quoi. Tout petit barracuda. Très sympa aussi. Voilà, mini barracuda aussi on trouve. Très beau. On va te remettre à l'eau. T'es prêt? Allez. Pouf. Et on repart direct. Allez, on continue toujours sur l'artiste FR80 là. Avec les tarpons qui font surface de partout. Ah ouais, non mais sérieux, là. Beaucoup trop de poissons ici. C'est incroyable ce spot. Je l'ai déjà dit, non? On voit le diamant en face en plus. Magnifique. J'ai du bol parce que ça fait quand même 4 jours qu'il fait un temps dégueulasse. Et là, il fait un temps superbe. Allez, c'était quoi ça? Je sais pas, mais il y a eu un poisson encore là. J'ai un collègue qui fait de la pêche en kayak là-bas. Je pense qu'il va prendre des choses aussi, hein, parce qu'il est là où il y a toutes les chasses depuis tout à l'heure. C'est pas mal ça en kayak. Même si d'ici du bord, on a tout en vrai. Hein, c'est hyper accessible. Parce qu'en lançant, je vais sur l'ID en face si je veux. J'ai un poisson, j'ai quoi? Ouais, j'ai un poisson. Hein. C'est bizarre parce qu'il a pas attaqué franchement. C'est pas très lourd. Ou alors il s'est pas réveillé, mais... C'est un poisson. Encore un petit bar. Ah, c'est une bécune, ouais. Pas la même que tout à l'heure exactement. Alors là on teste le jerkbait. On peut faire une petite explication sur le jerkbait. Hein. C'est un poisson qui reste dans l'eau comme ça, il est suspending, comment dire, reste dans l'eau, à flotter entre deux eaux. Il coule légèrement, mais pas beaucoup. Et dès que je donne un coup de sion,
hop, il se décale comme ça d'un côté ou de l'autre. Donc en donnant des tout petits coups, bah déjà, même à l'arrêt, il peut nager avec le courant, enfin il peut pêcher, et en donnant des petits coups, ça excite le poisson. Donc là, il se lance très très loin celui-là, c'est pratique. Donc là, je vais clairement facilement de l'autre côté de la rivière, là j'ai pas lancé fort. Et donc je donne des petits coups de sion comme ça, là. Et en fait, il se décale sur le côté et ça fait des éclats pour les poissons. C'est comme ça qu'ils attaquent. Allez, j'en ai un. Poisson. Ah, il s'est décroché. Putain. Qu'est-ce que c'est? C'était pas mal, hein. Je pense que c'était du brochet, ça, encore. Go jerkbait. Ah, s'il y a mieux. Allez, j'en ai. Ouais. Allez, tarpon. Ah là là, le jerkbait, tarpon. Bon, évidemment, il a dégagé, hein, mais... Eh oui. C'est vraiment très fun. Petit jerkbait, bah ça marche, hein. Bon, le tarpon, de manière... comme il arrête pas de faire des chandelles, c'est compliqué de le garder attaché, hein. Accroché. Hein? J'ai pas entendu. Ouais, merci. Ils vont venir là. Déjà, il y a les chats, c'est pas mal. Encore un beau brochet, un plus petit cette fois. Voilà, beau brochet. Le deuxième, beaucoup plus petit quand même. Bon ben voilà, rivière pilote. Et ben, verdict, c'est vraiment un super spot. Hein. Parce que là, il y a tous les poissons un peu de mangrove qui sont là. Les tarpons, pas trop gros, mais justement c'est ça qui est bien pour s'amuser. Les snooks, là, les brochets, des barracudas. Franchement c'est top. Mais là je pense que c'est parce que l'eau elle est bien sombre. Et il doit y avoir beaucoup d'autres espèces de poissons quand l'eau est plus claire. Je me demande si je vais pas aller là pour tester dans l'eau à la frontière, là, à la lisière de l'eau boueuse et de l'eau claire de la mer. Mais alors pour aller là, il faut faire tout le tour à partir du pont, là, ça va être la rando. Allez, à bientôt.